Aucun journaliste ne sait plus ce qu'est une bonne nouvelle. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. La bataille contre l'ignorance se gagne tous les jours, et elle finit par ouvrir sur des perspectives insoupçonnées. On peut conquérir des milliers d'hommes dans une bataille, mais celui qui se conquiert lui-même, lui seul, est le plus noble des conquérants. Si l'on est blessé par une flèche empoisonnée, l'important est d'abord de la retirer, ce n'est pas le moment de s'interroger d'où elle vient, qui l'a tirée, de quel poison s'agit-il. L'apaisement réside en chacun de nous. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps, pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité ? Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. Un ennemi acquis sans effort, c'est un trésor surgi dans la maison. Il doit m'être cher, cet auxiliaire de ma carrière spirituelle. Si nous devenions violents, nous n'aurions plus rien à défendre. Le bonheur se distingue du plaisir, ce dernier n'est pas lié au sentiment de l'existence, on ne s'y oublie pas en tant qu'être singulier. Ici se loge la deuxième raison qui peut expliquer la rareté de ce bonheur en littérature. C'est en parvenant à nos fins par l'effort, en étant prêt à faire le sacrifice de profits immédiats en faveur du bien-être d'autrui à long terme, que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le contentement authentique. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon. Si vous êtes angoissé parce que vous n'avez aucune confiance en vous et pensez que rien de ce que vous faites ne réussira, réfléchissez un peu. Essayez de voir pourquoi vous vous donnez perdant dès le départ. Vous ne trouverez aucune raison valable. Le problème vient de votre façon de penser, non d'une incapacité réelle. Quoi qu'il arrive, ne perds jamais espoir. Développe ton cœur. Dans ton pays, trop d'énergie est consacré à cultiver le mental. Sois une source de compassion, non seulement pour tes amis, mais pour tout le monde. Sois une source de compassion. Œuvre pour la paix, et je te le redis, ne perds jamais espoir, quoi qu'il arrive autour de toi, ne perds jamais espoir. Aujourd'hui, je trouve que certains enseignants entourés de dévots occidentaux deviennent très imbus d'eux-mêmes. Il en va d'eux-mêmes pour des marchands et des commerçants. Lorsque leurs affaires marchent, ils en font étalage en portant bagues et montres de prix. Au Tibet, ils arboreraient des boucles d'oreilles coûteuses. Bien entendu, à long terme, les boucles ne font qu'allonger les oreilles, et rien de plus. Tous les êtres humains connaissent la douleur et la souffrance, mais ceux qui ont été élevés au sein d'une culture orientale paraissent mieux tolérer l'une et l'autre. Cela ne serait-il pas dû pour partie à leurs convictions? Il est vrai que la souffrance est plus visible parmi les nations pauvres que dans les pays riches. La faim, la pauvreté, la maladie et la mort y sont présentes, au vu et au su de tous. Celui qui tombe malade, celui qui vieillit, n'y est pas marginalisé, on ne le place pas en maison de retraite, pour le confier à des professionnels de la santé, il demeure au sein de la communauté, sa famille prend soin de lui. Du coup, dans ces sociétés où l'on vit journellement au contact des réalités de l'existence, il est moins facile de nier que la vie se caractérise par la souffrance, que cette dernière fait naturellement partie de l'existence. À mesure que la société occidentale a acquis la faculté d'améliorer les conditions de vie matérielle, d'en soulager la rudesse, elle semble avoir perdu son aptitude à faire face aux souffrances qui subsistent malgré tout. Les sociologues ont mis en évidence que beaucoup de gens, dans la société occidentale, ont tendance à vivre dans l'idée que le monde serait somme toute un endroit agréable, que la vie serait équitable, et que les braves gens comme eux ne mériteraient de vivre que de bonnes choses. Inévitablement, la souffrance vient ébranler ces croyances. Malgré notre besoin vital de confiance en nous, il est important de savoir distinguer l'arrogance de la fierté légitime.